Le thème de ce cantique évoque la rémission des péchés et le salut par la grâce. La première publication des paroles, écrite par le prêtre anglican John Newton, date de 1779. Le texte a d'abord été chanté sur de nombreux airs avant d'être définitivement associé à la mélodie connue et publié en 1835 sous le nom de New Britain par William Walker. Cette mélodie est inspirée de deux airs populaires dont on ignore l'origine exacte, britannique, celtique ou autre. Amazing Grace est aujourd'hui un élément essentiel de la culture populaire anglo-saxonne, bien au-delà de l'aspect religieux d'origine, et l'on estime ce morceau joué à environ 10 millions de fois par an dans le monde. En voici un arrangement de Willie Ovast, interprété à la trompette solo par Michael Ranson.